Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Dans cette vidéo, on va parler des programmes de sport que je vais faire pour entrer dans des corps militaires, de type armée de terre, police, pompiers, gendarmerie, tous ces métiers comme ça, sécurité privée, tous les métiers qui exigent un concours physique et un niveau physique pour entrer dedans. C'est important. Moi, tu vois, moi, je me suis toujours intéressé par ces corps de métiers-là. Et quand j'étais plus petit, je me suis toujours dit, plus tard, je vais travailler avec mon physique. Je vais utiliser mon physique dans mon métier. Et ces métiers-là, c'est des métiers où tu te réveilles, tu vas en mission, intervention, tu vas beaucoup à la salle. Ça fait partie de ton métier, tu vois. Et ça, pour moi, c'est un rêve absolu. Utiliser mon physique, améliorer mon physique dans mon métier parce que c'est primordial. C'est ce que je voulais quand j'étais petit. Mais malheureusement, on ne m'a pas toujours donné la chance de faire mes preuves. Rien que de faire le concours, on ne me donnait pas la chance. J'ai fait plusieurs trucs, je suis allé parler aux gens directement en interne. On ne me donnait pas ma chance de tenter ma chance, clairement. J'ai ma petite idée pourquoi, mais bon, c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Et comme je me sens capable, clairement, de réussir les concours physiques, là, c'est pas en mode, ouais, je me sens capable de le faire, je vais te donner les astuces, du moins en programme, pour que toi aussi, tu puisses tout tuer dans ces concours, si tu souhaites vraiment intégrer ces fonctions militaires. Les programmes vont se constituer en trois modules, précisément en trois vidéos. Trois vidéos basées sur la force, d'accord? Il y aura le module spécial traction, le module spécial pompe et un module spécial abdos, d'accord? Afin d'être bien tonique et d'avoir un corps solide pour être prêt pour les épreuves. Bien entendu, dans les épreuves, tu n'auras pas que ça, d'accord? Tu auras aussi de l'endurance, ok? Et tu auras aussi, si tu veux faire pompier, il me semble, des épreuves en natation, ok? Moi, je te cache pas, j'aurais kiffé de faire des modules spéciaux dehors en extérieur et des modules à la piscine en natation. Mais malheureusement, je n'ai pas les moyens humains et financiers de te faire ça. Clairement, il me faut un autre caméraman et je peux pas. Malheureusement, je peux pas. Donc, ça, je compte les faire, ces modules-là, plus tard. Avec l'évolution de la chaîne, on va les faire parce que là, on aura les moyens pour prendre plusieurs personnes ou même les moyens de faire une vidéo dans les instituts même pour rentrer dedans. Ça peut être vraiment cool. Mais pour l'instant, on se concentre sur les trois modules de force parce que les tractions, c'est très important, c'est primordial et c'est éliminatoire. D'accord? Les pompes, pareil, il me semble. Et les abdos, ben, ça va servir pour tout, d'accord? Pour tout. Que ce soit pour être mieux gainé en pompe, en traction, mais aussi pour l'endurance. Et pour aussi, quand tu seras à l'intérieur, ça va bien t'aider. Bien évidemment, les programmes seront adaptés, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, peu importe, parce que les deux ont des concours. Les concours sont similaires, c'est juste le nombre de séries qui ne sera pas le même. Mais le concours sera adapté pour tout le monde, d'accord? Donc, homme, femme, tout le monde pourra suivre. C'est important. Et même si tu ne comptes pas rentrer dans un métier à corps militaire, le module traction peut être très important. Si tu ne sais pas faire des tractions, si tu veux apprendre à faire des tractions, il sera important parce que ce sera une vidéo 2 en 1. Ce sera une vidéo programme, mais aussi une vidéo pour bien apprendre à faire des tractions, être fort en traction. Parce que l'objectif sera de faire 10 belles tractions, ok? C'est l'objectif. Et une fois cette partie terminée, on va s'attaquer au programme Summer Body. Très important. On va se préparer pour l'été. D'accord? On va préparer notre corps pour l'été avec des petits programmes intéressants et qui font mal. D'accord? Et après ça, on va faire mon programme type. Ok? Tu vois, on va repartir sur un rythme de vidéo assez dur, d'accord? Assez sévère. C'est très important sur plein de programmes. Parce que c'est comme ça que je suis productif et c'est comme ça qu'on avance sur YouTube. Néanmoins, je reste à l'écoute.
pour les programmes points faibles, d'accord? Parce que j'ai fait plein de vidéos sur des programmes points faibles en musculation pour combiner avec mes programmes type. Si tu as un muscle précisément que tu veux voir en point faible, que je n'ai pas fait, que j'ai oublié de faire, dis-le-moi, d'accord? Dis-le-moi, je vais réfléchir et je vais bosser dessus, d'accord? Comme ça, tu auras de quoi faire pour t'améliorer avec des haltères ou une barre très important. Je vais peut-être refaire des programmes à la barre ou faire des programmes à la barre aussi pour ceux qui ont une barre et pas d'haltère. Ça aussi, ça peut être une belle alternative. Et je vais aussi me concentrer sur certains programmes que tu peux faire en salle de sport parce que les salles de sport vont réouvrir. Et si tu comptes faire des programmes intéressants en salle avec des machines ou des poulies ou quoi que ce soit, je vais te donner quelques astuces, quelques clés que tu peux faire pour améliorer ton physique. C'est très important. Parce qu'il faut savoir une chose sur cette chaîne, je suis très à l'écoute. Je lis et réponds à tous les commentaires, à tous les messages sur Instagram, les remerciements. D'ailleurs, je vous remercie de fou pour les échanges qu'on a sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Je prends en compte tout ce qu'il y a à prendre en compte. Et il y a plein de sujets de vidéos que j'ai fait grâce aux commentaires. Donc, s'il y a un truc que tu veux, vraiment, dis-le. C'est pas parce qu'il y a un commentaire avec aucun j'aime dessus ou qu'il n'y a pas 10 fois le même commentaire que je ne vais pas le faire. D'accord? Même l'idée de programme type, l'idée du nom du programme, bah, je l'ai eu dans les commentaires d'une de mes vidéos. Tu vois? Donc, je suis très à l'écoute avec ça et je prends les choses au sérieux. Ok? Donc, voilà pour cette petite vidéo explicative, informative, on va dire. Moi, je tiens encore à te remercier, vraiment, pour tous les j'aime, les commentaires, les nouveaux abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Et de t'abonner si ce n'est pas fait, hein, d'accord? Parce que c'est important et ça contribue à l'évolution de cette chaîne. Si tu as une idée, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires. Moi, je vais commencer à bosser sur le programme que je viens de te dire et sur les autres qui sont déjà écrits et notés. On va repartir sur un rythme de production assez dur. Mais on va faire les choses bien. Bon, sinon je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.